Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors comme annoncé précédemment et sans surprise, je vais vous présenter aujourd'hui pour mon plus grand plaisir le Tchark, issu de la gamme Mask. Alors pourquoi mon plus grand plaisir? Pour plusieurs raisons. La première par exemple, et ce qui semble être la plus évidente, c'est que voilà, ce véhicule, une fois de plus, a été conçu, inventé et créé par Cliff Dagger, que je salue au passage. Et étonnamment, donc ce véhicule, comme on a été nombreux à se poser la question, et c'est toujours le cas aujourd'hui, étonnamment, donc Kenner, à l'époque, n'a pas inclus ce véhicule, qui était pourtant assez présent dans le dessin animé, n'a pas inclus ce véhicule dans la gamme de jouets. Alors voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu interpellé, moi et puis bien entendu tous les autres fans de Mask. Et donc Cliff Dagger a corrigé le tir aujourd'hui, puisque voilà, le Tchark est enfin mien, est enfin créé. Alors oui, là pour le coup, ce véhicule est mien, puisqu'il m'a été offert par mon mécène, ami et sponsor Yanis. Merci encore mon poteau, je t'embrasse très fort si tu regardes cette vidéo. Et donc voilà, c'est pour moi presque un Graal, parce que c'était vraiment le véhicule qui manquait terriblement à ma collection. Et puis voilà, comme je suis fan des premières gammes de jouets Mask, alors la Split Second, la dernière gamme de jouets, voilà, je suis pas un ultra fan, j'en ai quasiment pas, mais voilà, les premières séries étaient pour moi quelque chose d'absolument superbe, et donc je peux à présent la compter fièrement dans ma collection. Voilà, donc trêve de blabla, on revient tout de suite à nos moutons, et sans perdre de temps, donc je vous retrouve tout de suite pour la présentation de ce petit Tchark. Allez, c'est parti les amis. Bon. T'as pas mis ton masque? Je t'ai déjà dit qu'avec ma coupe à la venie, je peux rien mettre par-dessus, c'est la misère. Alors me cherche pas, sinon tu sais ce qui t'est arrivé précédemment. Oh, ok, non. Puis le pouvoir de caca, parce que là, j'ai perdu trop de kilos d'un coup, alors c'est d'accord, je suis sage. Bon bah, puisque tout le monde est ok, voilà, je vous souhaite une bonne revue, et je vous dis à tout à l'heure. Allez, tchuss les mecs! Tchuss! Et on commence tout de suite les présentations avec la boîte telle que nous les connaissions à l'époque de la gamme Mask. Tout a été fidèlement repris. Et cette fois-ci, on retrouve bien, voilà, la marque Kenner et non Cliff Dagger, comme c'était le cas donc pour le Big Stomp. Que dire, voilà, vraiment la boîte me rappelle mes plus jeunes années. Où voilà, où on avait donc ces superbes jouets. La boîte est vraiment de toute beauté, donc vous l'aurez remarqué, hein, sans grande surprise. Donc le Tchark dans son mode transformé, dans son mode de véhicule de combat, est un sous-marin. Voilà, sur la tranche latérale droite, une petite photo de la vue arrière du véhicule. Idem sur la tranche latérale gauche. Au dos, la même chose et à l'envers. Et sur le dessus de la boîte, donc, notre Porsche 928 dans son mode véhicule civil, voilà, anodin, comme monsieur tout le monde. Et puis donc, juste ici, sur la photo de droite, voilà, donc, se transforme en un puissant sous-marin d'attaque. Voilà, pour la boîte. Je reviens vite fait, donc, pour la présentation également de l'insert qui se trouve à l'intérieur, insert qui n'est pas, donc, sans nous rappeler, là encore, voilà, les inserts des jouets masques de l'époque, avec juste ici, donc, de quoi placer le véhicule, et en dessous, donc, les accessoires et la notice. Comme toujours, c'est du bon boulot. À noter, et faites très attention, donc, avec le Tchark, c'est que moi, quand j'ai sorti, donc, le tout de la boîte, j'avais un rétro de cassé. Alors, heureusement, je l'avais, donc, il était là, hein, il était bien présent, donc, j'ai pu le recoller. Mais voilà, les rétros sont extrêmement fins et fragiles. Donc, faites très attention en ouvrant la boîte, et vérifiez bien s'il n'y a pas le rétro, qu'il se trouve bien à l'intérieur de celle-ci. Et nous retrouvons, bien évidemment, la notice, qui, là encore, est tout à fait fidèle et cohérente à celle que nous avions donc à l'époque. Et la voici, la voilà, notre petite Tchark, donc inspirée de la Porsche 928S, absolument superbe. Nous retrouvons donc un véhicule à une échelle tout à fait cohérente, et je ferai un petit comparatif tout à l'heure avec le Rhino.
Les finitions sont très soignées, on y retrouve vraiment voilà les finitions telles que nous voyons à l'époque donc le véhicule dans le dessin animé. Donc voilà, tout est vraiment respecté à la lettre. Comme je vous disais, faites très attention en ouvrant la boîte, vérifiez bien que le rétro n'est pas cassé, qu'il se trouve bien à l'intérieur. Hein, moi j'avais ce rétro là donc qui était malheureusement cassé. Et puis donc au niveau des détails, pas grand chose de négatif à dire, c'est simple, c'est sobre, mais c'est vraiment là encore vraiment extrêmement fidèle donc au dessin animé, puisque je ne peux pas dire le jouet, puisqu'elle n'existait pas. On va s'attarder un petit peu sur les détails, donc nous retrouvons le petit toit ouvrant juste ici, donc qui est simplement, c'est simplement moulé et gravé, hein, dans le toit ne s'ouvre pas. Nous avons bien entendu un pare-brise translucide à l'avant, sur les côtés et à l'arrière, voilà. Il est même juste ici légèrement voilà ciselé comme la Porsche 928S. Nous avons donc une petite plaque d'immatriculation avec, alors je ne sais pas si ça va se voir, on va essayer de faire une petite mise au point, un petit focus, si ça marche bien, ouais, ça va être difficile. Donc on aperçoit le nom de Gloria puisque sa conductrice donc n'est autre que Gloria Baker. Nous avons également donc les feux juste à l'avant ici translucides, le petit logo Porsche. Voilà, là encore des feux translucides, des feux rouges sur les côtés. Juste ici, nous avons deux petites trappes, mais on y reviendra tout à l'heure. Les deux fameux rétro, donc voilà, manipuler vraiment le véhicule avec précaution et éviter surtout de le prendre voilà à ce niveau-là pour éviter toute casse. On aperçoit à l'intérieur donc voilà le cockpit et le tableau de bord avec les fauteuils. Là encore, nous reviendrons dessus tout à l'heure. Concernant les roues. Pas grand chose à dire, des jantes en chrome absolument superbes, des pneus gomme, voilà, ça fait son taf, très jolie finition. À l'arrière, nous retrouvons donc le sigle Porsche juste ici, même le petit bouton du haillon arrière. À l'arrière, non plus une plaque au nom de Gloria, mais 928S, le petit pot d'échappement juste ici. Vu de dessus, voilà ce que ça donne, de côté et au niveau de l'undercarriage, et hop là. Les petits ailerons se sont fait la malle. Ben voilà, c'est propre, que dire, très peu de jours, de vide, de creux. Une petite trappe ici pour sortir donc l'intérieur du véhicule, puisque voilà, les portes ne s'ouvrent pas. Donc pour fixer une figurine, vous serez obligé de sortir tout ce bloc-là. Et là encore, donc nous reviendrons dessus tout à l'heure. Voilà un petit peu pour la présentation de notre superbe Porsche 928. Vraiment, Cliff a fait un boulot vraiment en or, exceptionnel. Je ne suis vraiment pas peu fier, pardon, ça c'est l'émotion de l'avoir dans ma collection, ça c'est vraiment, voilà, juste du grand bonheur. Concernant les accessoires à présent, alors je vais tout de suite vous montrer deux petites choses que la gamme masque ne proposait pas à l'époque. Tout d'abord, voilà, un socle au nom du véhicule, là encore, donc conçu par Cliff, ça fait super plaisir d'avoir ce socle-là, d'autant plus que si vous voulez exposer votre véhicule en mode sous-marin, bah voilà, vous aurez de quoi vraiment voilà l'exposer fièrement. C'est voilà, ça c'est vraiment super bien pensé. Un masque ici, shark ici, là également ici et ici. Donc voilà, ça c'est un petit socle qu'on n'avait pas à l'époque et je trouve que c'est vraiment bienvenu avec le shark. Autre chose que nous n'avions pas à l'époque, tout simplement donc un petit socle, voilà, estampillé masque avec le nom de la figurine juste ici, donc à savoir pour le coup Gloria Baker. Un pied de façon à poser le masque et un petit support donc pour y placer la figurine. Ça c'est vraiment cool. Voilà, deux petites choses vraiment anodines, mais voilà, qui fait plaisir d'avoir. Et surtout si vous comptez exposer votre figurine à côté du véhicule, là vous avez vraiment un petit stand vraiment de toute beauté. Toujours au niveau des accessoires, nous retrouvons trois missiles. Donc deux missiles de base pour le véhicule, plus un. Voilà, supplémentaire au cas il vous arriverait par mégarde malheureusement d'en perdre un. Voilà, donc trois missiles, ça c'est bien cool aussi. Et nous avons donc des petits éléments ici, puisque voilà, il y a voilà, ces parties-là sont en part forming. Et je comprends tout à fait et je respecte tout à fait le choix de Cliff, parce que voilà, il aurait été vraiment difficile de faire une transformation 100% fidèle au dessin animé. Donc pour le coup, voilà, je préfère avoir du part-forming que d'avoir quelque chose qui soit vraiment dégueulasse en termes de rendu. Donc voilà, au niveau des accessoires, et bien sûr, bien entendu, et bien évidemment, n'oublions pas notre Gloria Baker que je vais placer tout de suite sur son socle. Et la voici, la voilà, le seul et l'unique membre féminin donc de la Team Mask, Gloria Baker,
qui, pour info, donc, et pour vous en dire un petit peu plus sur le personnage, a fait la plupart de ses études à Athènes, et ceinture noire de kung-fu, ceinture noire de karaté, a de nombreuses connaissances en mécanique et en ingénierie, diplômé en archéologie, pardon, qui a fait également donc une formation en anthropologie et qui est également donc réputée comme étant une championne de course automobile. Bref, le CV est consistant, rien que ça, pour ce personnage, franchement, qui est plutôt bien fichu dans le dessin animé. Et voilà, malgré sous ses airs très gentils, je pense qu'il vaut mieux quand même faire attention, voilà, et pas trop la chercher. Et voilà donc ce petit stand, hein, comme je disais, donc avec voilà le support pour le masque. Tout a été également donc réalisé par Cliff Dagger, puisque bien entendu, le véhicule n'existe pas et la figurine non plus. Voilà, dans sa tenue de combat, on va dire. Donc voilà, plutôt très bien fichu. Pas grand-chose de négatif à dire. Les peintures sont bien choisies, légèrement glossy. Voilà, on y retrouve vraiment donc les caractéristiques communes aux personnages. Tout comme les personnages masques, les yeux ne sont pas peints et c'est pas plus mal pour éviter de loucher ou tout type de strabisme. La figurine est, tout comme les autres, articulée au niveau des bras, des jambes, hop là, et des genoux. Voilà, donc pas grand-chose de négatif à dire. Elle fait son taf tout comme les autres. Et ça, c'est vraiment cool. Et la voici également, donc, à présent, avec son masque, dont le pouvoir n'est autre que Horax, donc un pouvoir qui peut engendrer une source de lumière aveuglante et qui peut également donc envoyer des rayons laser. Voilà, rien que ça envoie du lourd et vraiment c'est super top. La figurine est là encore vraiment très très réussie. Yes! Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure lors de la présentation du véhicule, hein, vous avez juste ici, voilà, deux fentes qui permettent de pouvoir placer, alors mettez bien la rainure du missile vers le haut, qui permet donc de pouvoir placer les deux petites torpilles, voilà, à l'avant du véhicule. Voilà, super cool. Nous avons les gâchettes de tir qui se trouvent ici et ici. Et pour vous faire la démonstration, je vais réduire un petit peu l'image. Et nous allons tester. Alors, bien sûr, il vous faut soulever un petit peu, voilà, cette partie-là pour que les missiles ne viennent pas, voilà, se coincer ou se frotter contre le pare-choc. Et ensuite, donc, pour le système d'éjection, ben voilà, comme un missile classique de jouet de l'époque, vous appuyez sur le poussoir juste ici, voilà, pour le premier missile, et voilà pour la seconde torpille. Voilà, absolument sans sas. La puissance de tir est vraiment colossale. Là, pour le coup, Cliff n'a pas fait semblant, donc pour son système d'éjection, hein, mieux vaut éviter de se prendre dans l'œil ou autre part si jamais vous êtes retourné. Voilà donc, les torpilles ont réintégré leur position, à savoir bien évidemment, comme vous avez pu le remarquer, hein, qu'une grosse partie donc du véhicule a été faite en impression 3D. Alors, maintenant, nous allons passer donc voilà, à ce compartiment-là, donc qui nous permet de pouvoir placer la figurine. Alors, tout d'abord, vous allez bouger les roues comme ça, vraiment pour dégager tout le dessous du véhicule. Et ensuite, vous avez une petite gâchette ici. Vous appuyez dessus et vous pouvez à présent sortir en toute tranquillité. Voilà. L'intérieur de l'habitacle. Pour le refixer, même principe, vous avez deux petits ergots ici et ici qui viennent tout d'abord se placer dans les deux fentes ici. Donc commencez d'abord par les ergots et ensuite vous venez rabattre donc l'avant de l'habitacle. Voilà, niveau de l'habitacle, voilà, là encore c'est vraiment bien conçu, hein, tout à l'imprimante 3D. On a même juste ici donc voilà d'inscrit masque. Nous avons un petit tableau de bord, voilà, qui fait son effet. Bon, j'aurais peut-être aimé avoir un ou deux stickers, un peu comme les autres véhicules, mais voilà, c'est quand même propre. Avec la boîte à gants, la boîte de vitesse, l'autoradio, voilà, les petits boutons par-ci par-là, le volant. Bref, voilà, tout ce qu'il faut pour rendre le véhicule crédible.
on peut à présent placer notre personnage Gloria Baker à l'intérieur. Comme ceci, on place bien les mimines. Et voilà, c'est placé. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc il vous suffit tout simplement de voilà, rentrer tout d'abord les deux ergots ici et ici. Et quand c'est fait, vous rappuyez sur la gâchette, vous mettez le tout et vous relâchez la gâchette avec donc le petit cran de sécurité et vous replacez les ailettes. Et voilà notre Gloria Baker aux commandes de son Shark. Yeah! Alors concernant la transformation, celle-ci est vraiment top, efficace, fun, simple, pas prise de tête et c'est pas plus mal. Et en plus on respecte vraiment là encore le concept donc des jouets masques. Tout d'abord vous allez venir déloquer les petits ailerons juste ici qui se trouvent, voilà, loqués à l'intérieur de cette partie-là comme ceci. Hop, hop, ensuite vous allez pouvoir sortir, voilà, la totalité des roues. Comme ceci. Alors on y va doucement, c'est avant tout une pièce de collection bien avant d'être un jouet. Et ensuite donc vous prenez ces parties là, vous les rabaissez comme ceci et vous faites glisser toute cette partie là vers l'arrière comme ceci. Voilà, c'est monté sur rail et quand c'est fait vous pouvez remonter, voilà, et vous avez donc les petits gouvernails de ce qui vient former donc le sous-marin. Ensuite, vous pouvez rabaisser, alors je me mets bien dans l'axe de la caméra, les roues comme ceci. Et ensuite, donc vous avez les petits ailerons. Vous avez juste à les attraper et à les faire glisser vers le bas. Vous avez là encore un système de rail, voilà, de moulé à l'intérieur. Donc vous sortez les ailerons comme ceci. Vous n'oubliez pas par la même occasion d'abaisser, d'incliner légèrement l'aileron arrière vers le bas, ainsi. Et même étape ici, on sort à présent l'autre aileron avant, voilà, on le coulisse vers le bas comme ceci. On continue en venant placer donc ces deux parties là qui sont pourvues de petits aimants, aimants que vous retrouvez également sous le capot. Vous pouvez à présent placer le premier élément et le second comme ceci. Et on termine par la petite touche finale, le petit périscope du sous-marin, voilà, comme le dessin animé. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Shark transformé. Yes! Et petit 360 à présent donc de notre Shark dans son mode donc de véhicule d'attaque, placé donc sur le petit support, voilà, pourvu à cet effet. Et voilà, que dire, le résultat est juste magistral. C'est exactement le véhicule tel que nous le voyons dans le dessin animé. Nous avons même juste ici, voilà, les petits autocollants masques. Que dire, le boulot est vraiment exceptionnel. Je suis juste super épaté d'avoir enfin, de compter enfin ce véhicule dans ma collection. Il manquait cruellement. Et voilà, un rêve encore une fois de plus qui se réalise, donc grâce à Cliff et aussi grâce une fois de plus donc à mon ami MSN Yanis, hein, qui voilà, qui m'a fait ce magnifique cadeau, qui savait très bien que cette voiture était juste pour moi un méga trip. La transformation est simple, efficace, elle fait son effet, et puis surtout, et c'est là le principal, nous avons vraiment donc un mode vraiment, comme je dis de temps en temps, chaud à curette, vraiment fidèle à 100% au dessin animé, et c'est juste super badass. Et pour finir, donc, petit comparatif petit comparatif d'échelle et petite photo de famille, donc aux côtés de Rhino, voilà, comme je dis, hein, en termes d'échelle, ça fit, ça passe vraiment bien. Pour anecdote aussi, sachez, je n'en ai pas parlé, voilà, je vais me flageller avec 10 coups de bâton ou des orties quand vous voulez. J'ai oublié de préciser donc que dans la version originale, la version donc américaine, la voix de Gloria, donc doublée par Sharon Noble, est exactement, enfin, est
La même doubleuse donc que pour Vanessa Warfield, donc qui fait partie, elle, du coup, du camp de Venom. Voilà, la même voix féminine pour deux sacrés bouts de femmes. Et juste pour le fun, voilà, petite photo de famille de mes quelques véhicules masques, avec donc une place qui était vraiment, voilà, toute prête pour Gloria. On y voit donc les véhicules des premières aux dernières séries. Donc je vous en ferai, rassurez-vous, les vidéos et les présentations. Voilà. L'intégralité de ma collection masque. Comme je vous l'ai dit, hop là, il y a le petit père vampire qui n'est pas bien placé. Et comme je vous l'ai dit, donc, voilà, je corrige ça. Et comme je vous l'ai dit, donc, voilà, je n'ai que très peu de véhicules de la série Split Second. Car autant donc les véhicules me bottent, autant les transformations, voilà, je trouve que c'est vraiment pas ça. Et donc voilà, j'en ai vraiment très très peu. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à, vous l'aurez compris, donc l'excellente réalisation de Cliff Dagger. Voilà, consacrée donc concernant ce Chark, véhicule qui manquait cruellement donc dans la gamme de jouets. On l'a voulu, on l'a souhaité, on l'a espéré. Cliff a réalisé ce souhait. Et à présent, donc, en ce qui me concerne, elle fait partie maintenant de ma collection et je suis super méga giga happy. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis donc pour les uns de découvrir ce véhicule et donc toujours cette gamme masque, et pour les autres donc, alors de redécouvrir, oui et non, puisque vous l'avez connue dans le dessin animé mais pas en jouet, mais en tout cas donc de la découvrir à présent donc en jouet. Création vraiment inédite et exclusive à Cliff Dagger. Voilà, je suis juste super content. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions. Merci d'avance, bien évidemment, pour tous vos petits pouces bleus qui sont de plus en plus nombreux, ainsi que les vues. Et ça me touche énormément. Bienvenue aux nouveaux abonnés, donc qui ne cessent de venir, voilà, rejoindre nos rangs, notre petite famille, notre communauté donc de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous. Merci de votre confiance, merci de vous compter donc voilà au sein de notre petite communauté. Hein, je ne le dirai jamais assez, mais voilà, cette chaîne, c'est également et avant tout notre chaîne. On se retrouve donc début de semaine pour un unboxing, voilà, histoire de commencer tranquillou la semaine. Un unboxing, voilà, d'une pièce, voilà, je vais pas vous le cacher, que je rêvais d'avoir depuis très longtemps. Et puis on se retrouve également donc semaine prochaine, fin de semaine prochaine, donc pour la revue du Boulder Hill. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Boulder Hill, c'est tout simplement donc la base secrète de Masque, de la team Masque. Et puis après, donc, voilà. Je continuerai mes revues masques, il n'y a pas de souci, puisqu'apparemment ça plaît bien, ça cartonne et j'ai des retours vraiment très positifs, que ce soit dans les likes ou dans vos commentaires ou même sur Facebook ou Messenger ou autre. Donc ça me fait super plaisir. Merci de m'avoir donné confiance, cette confiance pour vous présenter voilà cette gamme avec mon style qui m'est propre. Et puis donc ensuite, eh ben j'espacerai un petit peu plus les revues masques de façon à revenir un petit peu à l'essentiel et à vous présenter donc bien entendu à nouveau d'autres gammes diverses de robots, GoBots, Super Sentai. Poppy, Bandai, Soul of Shogoki, etc., etc. Transformers, bien évidemment. Il y en aura toujours pour tous les goûts, puisque j'essaye d'en faire pour tout le monde. Voilà. Donc, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en bien. Reposez-vous bien. Amusez-vous bien. Façon de parler. Pour ceux qui sont confinés, bah, prévoyez l'apéro à 15h, la raclette à 16h, et puis 21h, voilà, pyjama, dodo, couché. Voilà. Que dire de plus, hein. En tout cas, bah, quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous et surtout, comme toujours, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss! Wouah, dis-moi, Gloria, ça te dirait de boire un coup avec moi? Je serais honoré de faire ta connaissance. Et puis, si tu veux savoir, mon pouvoir, c'est Diarox. Je peux faire caca les gens pendant au moins une bonne heure. Genre la méga diarrhée, le truc où tu chies en spray, tu sais, un truc de ouf! Alors, t'en penses quoi? Orax, action! Ah,
c'est quoi ce truc? Ah, eh ben, ça c'est une femme qui a du caractère. Waouh! Un peu comme la tienne, Papy Tef. C'est cool, hein? Bah, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, mini-moi? Mini-mini-moi? C'est quoi le problème? Bah, vas-y, parle! Bah, dis quelque chose! T'as plus ta coupe de cheveux afro, vanille! Quoi? J'ai plus ma coupe de glace à vanille sur la tête! Oh, sérieux, mec? Oh, je suis revenu comme avant! Trop cool! Attends, bouge pas, mec! Je vais tester mon pouvoir! Ah, ça fait du bien d'avoir un masque! Allez, Diarox, action! Il a recommencé! Oh, je crois que je vais me vider! Voyons mes aïeux! Ça, c'était un gros caca! I would have waited an eternity for this! It's over, Prime!